J'aurais dû prendre de la bouffe ou quelque chose, je vais me faire défoncer. Donc tu as réussi. C'est la fin de ton voyage. Dans quelques moments, tu vas rencontrer le roi. Dans quelques instants. Ensemble, nous déterminerons le futur de ce monde. Et c'est à ce moment-là, maintenant, que tu seras jugé. Tu seras jugé pour chacune de tes actions. Je suis pas dans la merde. Tu seras jugé pour chaque point d'expérience que tu as gagné. C'est quoi le XP? C'est un acronyme. C'est des points d'exécution. C'est une façon de quantifier le montant de douleur que tu as infligé aux autres. Putain, j'espère que j'en ai pas tué trop, quoi. Quand tu tues quelqu'un, pardon, ton EXP augmente. Quand tu as assez de XP, ton amour grandit. L'amour aussi, c'est un anachronisme, ça veut dire niveau de violence. C'est la capacité à quelqu'un de blesser. Le plus tu tues, et plus il devient facile de t'en distancer. Le plus tu te distances, moins tu blesseras. Et plus facilement tu pourras blesser les autres. Maintenant tu comprends. C'est l'heure de commencer ton jugement. Sérieux, j'en ai pas tué tant que ça! Hyper. Regarde à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as vraiment fait la bonne chose? Et considère ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu ferais maintenant? Prends un moment pour penser à ça. Est-ce que je peux bouger? Je peux faire quelque chose? Heureusement, ça compte pas vraiment ce que t'as dit. Tout ce qui compte, c'est que t'as été honnête avec toi-même. Ce qui va se passer maintenant, on va te le laisser à toi. J'ai peur. Putain, le sens a disparu. Je suis niveau 5. C'est pas bien, hein. EXP 192, putain, ça craint. C'est pas bien du tout. Enfin, je sais pas si c'est trop haut, mais en tout cas, c'est pas bien, quoi. La salle du trône. Et là, il est généreux en save point, hein. C'est les fleurs dorées. Dum-dum. Oh! Il y a quelqu'un? Juste un moment. J'ai presque fini d'arroser ces fleurs. Ça va être le mari de Toriel. Toriel était la reine. Comment est-ce que je peux... J'ai tellement envie de dire, est-ce que tu voudrais une tasse de thé? Mais tu sais comment c'est. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Les oiseaux chantent, les fleurs éclosent. Un temps parfait pour jouer à un jeu de Game of Catch, attraper la balle, enfin se jeter la balle. Je sais pas où il regarde, y a pas de fenêtre. Tu sais ce qu'on doit faire. Quand tu es prêt, viens dans la prochaine salle. J'ai pas envie de me battre, hein. S'il faut, je me sacrifie parce que j'ai pas bien agi. Et puis clairement, les humains se comportent très mal. C'est un trône. Bon, ben on va y aller! Je sens que ça va être la Zermie, mais. Pensez-y comme une visite au dentiste. Est-ce que tu es prêt?
Si tu ne l'es pas, je comprends. Je suis pas prêt non plus. Oh putain, mais en plus il est gentil, quoi. Tu peux pas être un minimum un salaud, que j'ai pas de remords à me battre contre toi. Oh là. C'est la barrière. C'est ce qui nous garde tous enfermés dans les souterrains. Si tu as des choses à finir, fais ce que tu dois faire. Je dirais bien, il faut que j'aille chercher de la bouffe, mais je sais pas où c'est, ça serait trop loin. On va continuer. Joa, ça y est alors. Tu es prêt? Non, je suis tellement pas prêt. Ça me paraît que ton voyage soit fini. Tu es rempli de détermination. Humain. C'était sympa de te rencontrer. Au revoir. Ah, ok, c'est pas la belle. Ah, putain, y a pas de pitié, y a pas de... Ah, mon dieu. Mais je vais jamais y arriver là. J'ai pas d'item, j'ai rien. Il faut que je l'attaque là, j'imagine. Non, faut que je le tue. Merde. Non, non, mais là, c'est impossible. Oh non, j'y arriverai jamais contre lui. Non, mais moi, ça me va, si je meurs et qu'ils ouvrent la barrière, je prends ça comme une fin potable. Mais je le battrai jamais avec si peu de vie, j'ai rien à bouffer, j'ai que dalle. Ah non mais non, non, j'y arriverai pas. Je vais tellement rien lui faire, quoi. Mais ça va bien, oui. Mais comment il me touche? C'était bleu, j'ai pas bougé. Mais je vais jamais le battre. Oui, ok, très bien. Ah non, mais je peux pas le battre, là c'est beaucoup trop, quoi. Ah, je reviens sur le chat parce que là... Je ne sais pas. Je ne peux pas abandonner, me battre ça sert clairement à rien. Lui parler, ça ne sert à rien. Chercher de la bouffe, je sais pas où il faut aller. Parce que putain, si je dois me retaper tout le chemin inverse, mais j'en ai pour des jours, quoi. On va voir.
pouvoir faire tout le chemin inverse, mais je sais même pas si j'ai de l'or en fait. J'ai pas. Y a pas un ascenseur par là, quelque chose? Y a une arme plus balèze. Hein? Arme-toi de détermination. Oui. C'est vrai que j'aurais. Oui, tout à fait. J'aurais pas pensé à ça. Ah mais attends, la maison est immense, ça me prend des plombes à revenir. Et donc là, en gros, à poil comme je suis, c'est même pas la peine. Donc là, c'est tutulu, je reviens. Que je vais me contenter de ça, je recache le chat. Je recache le chat. Mais ça sert à rien de lui parler, du coup, j'imagine. Il hein, faut le spammer d'attaque. Et là, quelqu'un sur Twitter me dit oh, c'est pas bien ce que vous faites, hein, je vous ai pas dit de me spammer sur. Enfin, tant que je vous dis pas go, aidez-moi, ne le faites pas sur Twitter ou quoi, c'est pas bien. Mais on me dit de spammer Z en fait. Ah, cool. Je fais quoi? J'ai des Glamburgers, j'imagine. C'est que ça reste quand même le mieux pour se maximiser le. Ça se dit maximiser? Oui, salut, Georges Biburly. Combien j'ai d'or? Ok, donc je n'ai pas d'or. Je suis aussi à poil que je pourrais l'être. Ah, parce que là, s'il faut que j'aille faire du farming à mort, ça va vite me gaver, quoi. Putain, mais elle est où déjà sa maison? Jean-Michel Mémoire! Il n'a pas de mémoire! Par là? C'était après Bétatone, sa maison. Putain, j'ai pas de mémoire pour ça, quoi. C'est pas cool. C'est pas cool. Salut, Herbacha! Sa maison, putain. Je suis perdu dans les maps. C'est un petit peu l'enfer. Voilà. Vous m'avez dit de fouiller là-dedans pour des. Salut la strike! À manger là-dedans. Ok, y a pas à manger. Mieux. Will you take it? Heart shaped locket. Une dague usagée. Oui.
Putain, mais vous me dites il y a des armes et tout ça, mais je trouve que... Oui, ok, je me suis équipé du loqué, mais... Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Oui, je suis équipé. Je suis équipé. Donc là, j'ai quoi un équipement là ? Merde. Merde. Si, c'est ça. Ah, c'est le Archer Plucket et la dague, mais... Faut de la bouffe. Faut grave de la bouffe et je sais absolument pas où aller, quoi. Il n'y a plus rien dans celle. C'est quoi celle? Ah, c'est mon téléphone, mais attends. Comment... Ah, le sel, putain, j'ai jamais fait. Papyrus phone... Tough glove, stick. Ça me sert à rien le toy knife et tout ça. Ouais, dans ça y a rien. Pour vendre des objets, faut aller au village des Thémis, 2 à droite, map après le vendeur, tortue, faut faire ça dans un sortir. Quoi, dog résidu? Qu'est-ce qu'ils ont, les dog résidus? Ok, et ça, je peux le bouffer en combat, c'est ça? Prendre ton gratitude utilisé pour multiplier. Quoi? Prendre ton résidu, utilise-le pour multiplier et le vendre. Qu'est-ce que tu me racontes là? Quoi? Mais ouais, mais j'en fais quoi, maintenant que j'ai ça? Maintenant que j'ai plein de résidus de chien dans les poches, je fais quoi? Spam donc résidus, tu vas avoir des dogs salades. Je le vends à qui? Je sais pas où il est, le village des Thémis. Qu'est-ce que c'est pas intuitif comme jeu des fois, quoi. Est-ce que vous avez vu toute la marche que je dois me taper pour aller faire je sais pas quoi, quoi? Mon inventaire est full, effectivement, donc attends. Voilà. En fait, faut que je garde quoi. Détermination. Je vais aller me poster là-haut au point de sauvegarde et je vais spammer jusqu'à ce que j'ai des salades pour chiens. Donc là, ça va devenir la partie ultra intéressante du live où je vais spammer de la salade, de la dog salade. Non, non, Zillions, je fais absolument pas confiance à mon skill pour battre le mec sans nourriture quoi. Donc pendant ce temps que je fais ça, je vais en profiter pour vous laisser écouter la musique. Ah bah je drop pas tout, pas con non plus.
Je garde un dog résidu, voilà. J'en garde toujours un, t'inquiète pas. Trois dog salades. C'est bon, j'ai 4 salades. Attends. Putain, j'ai que des dogs résiduaux, allez. On y est presque. Putain, il me remplit que ça, bordel, file-moi des salades. Salaud. Arrête tes salades. C'est une excellente blague et je suis contente que tu l'aies partagée à nous. Oui, ça y est. Ah, je voudrais encore une, quoi. Encore une. Tu sais que je devrais te bannir pour une blague pareille. MLT. On y est presque. On y croit, on y croit. Ah, voilà, ça y est. Donc, là, j'estime que j'ai assez de salade. J'ai ma petite arme et mon armure. D'après ce que vous m'avez dit, ça devrait être fait. C'est parti pour pas y arriver. Non, non, c'est bon. C'est parti pour pas y arriver, je sens. Je dois passer par là ou il y a une espèce d'ascenseur, mes couilles? Non, je dois par là. Oui, ça, c'est du gameplay. Je veux m'amuser à faire la découpe sur Twitch pour que vous l'ayez sur YouTube. Oui, c'est mieux que rien. On verra bien. Mais alors, les patterns... Ok! Ok, les patterns. Donc là, vous me conseillez de l'attaquer comme un bourrin. Sauf apparemment, si on lui parle un petit peu, ça atténue ses attaques.
Mais en gros, je dois lui en mettre plein la bouche, quoi, on est d'accord. Ah, mais on a sauvé, là. Au calme, les patterns. Peut-être lui les dents s'il fait le dentiste, très bien, excellente blague. Allez, on va à la foire du trône. Mais il y a des save points de partout. Allez, ne parvient pas à finir ce jeu, ce boss sera un peu le bouc émissaire. Très bien. Donc là, je lui spamme des tatanes dans la gueule, on est d'accord. Oui, il y a des chances qu'il me rende de chèvre. Excellent jeu de moi, encore une fois. Ok, ça lui a vraiment pas fait grand-chose. Putain, là, les patterns sont pas bien durs. Voilà. Vraiment pas. Oh putain, j'aime pas quand il fait ça. Ah putain, mais il était orange! Merde! Ça, ça va, cette pattern-là est pas trop compliquée encore. Ça me rappelle un jeu indé que j'avais fait une fois sur le indé. Ok. Je vais essayer de lui parler, on sait jamais. Ah, très bien, oui. Non. Putain. Je panique trop, quoi. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. Oh, je m'en sors tellement mieux! Oh, la maxi attaque. Oh, putain, c'est pute! Je commence à comprendre un tout petit peu ces trucs, mais... vraiment pas grand chose, oh putain. Elle va être orange. Merde, le bleu, il fallait pas bouger. Fallait que je regarde ses sentiments, c'est ça, j'ai compris maintenant. Il faut rester déterminé. Oh, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Oh là 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 là, mon ami, calme-toi. Ok, ouais. Ouais. Là, c'est la dernière. Oh putain, il m'a rien donné.
C'est dur de s'arrêter d'enchaîner sur un orange de suite après. Là, je vais mourir.